Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Elodie, coach business, et aujourd'hui, je te parle. Vraiment, c'est le secret. C'est un secret d'entrepreneur pour vraiment réussir, et tu verras que c'est juste magique. Pour atteindre tous tes résultats, pour atteindre un petit peu tout ce que tu veux dans ta vie, le secret, c'est le lâcher-prise. Eh bien oui, je suis juste désolée de te l'apprendre, mais il n'y a que ça. Le secret, ce n'est que ça. C'est juste en fait de lâcher prise. Alors, ça veut dire quoi lâcher prise? On l'a vu dans tes précédentes vidéos que quand tu as créé ton entreprise, tu crées également des objectifs. Tous les mois, tu crées des objectifs pour pouvoir atteindre des objectifs. Tu mets certaines choses en place. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de l'entrepreneur. Hein. Ça, c'est je ne t'apprends rien là-dessus. Tu as ton offre, tu as ton entreprise, tu veux arriver à tel endroit. Ok, pour arriver à tel endroit, tu mets ça, 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 ça en place. Ça, là-dessus, on est totalement d'accord. Maintenant, le secret vraiment, c'est de lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça veut dire quoi? Et tu verras, c'est très simple. En fait, c'est que tu n'as pas... Alors, tu n'as pas d'attente. C'est-à-dire que le secret, c'est de ne pas avoir d'attente. Je dis beaucoup secret dans cette vidéo, mais tu vas comprendre pourquoi. De ne pas avoir d'attente. Alors, ça veut dire quoi, ne pas avoir d'attente? C'est-à-dire que si demain, tu as dit, ok, je vais faire 1000 euros de chiffre d'affaires au mois de, fin juillet 2020, d'accord? Tu t'es mis ça comme objectif de faire 1000 euros, pas que, mais de faire 1000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, ok. Pour faire ces 1000 euros de chiffre d'affaires, tu as décidé de plusieurs actions, ou en tout cas je l'espère, parce que là, si tu n'as pas décidé de faire des actions, déjà, là, il y a une erreur. Tu dois décider de faire des actions. Alors, par exemple, ça peut être tout simple, comme faire des vidéos YouTube, mais comme envoyer des newsletters, comme communiquer sur Instagram. Je ne sais pas la stratégie que tu as choisie, mais voilà, tu dois avoir mis en place une certaine stratégie et... tu dois avoir des choses prédéfinies, savoir comment tu vas atteindre ces 1000 euros. Là-dessus, on est totalement d'accord, je pense, en tout cas, je l'espère. Sinon, je te propose de regarder cette vidéo à un autre moment et de vraiment déjà mettre en place des choses dans ton business pour qu'ils puissent te ramener les 1000 euros. Voilà, une fois que tu as mis toutes ces choses en place dans ton entreprise, le secret, c'est de lâcher prise et de n'avoir aucune attente. Alors, on est d'accord, tu veux ces 1000 euros de chiffre d'affaires, donc potentiellement c'est une attente, d'accord? Maintenant, si tu lâches prise sur le fait de savoir si tu vas les faire ou non les 1000 euros, si tous les jours tu l'as à checker tes mails et à mettre sur une liste, ok, aujourd'hui j'ai vendu ça, 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 et que tu l'as, ok, il manque ça, vite, 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 tu cristallises un petit peu, d'accord? Tu cristallises un petit peu ton résultat et du coup, tu cristallises les possibilités de faire beaucoup plus. Et en fait, malheureusement, tu fermes tout là, tu fermes toutes les vannes qui sont dispo autour de toi et tu n'atteins pas ces 1000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que tu n'as jamais fait l'expérience, en tout cas si tu ne l'as jamais fait, je te conseille de la tester cette expérience. Essaye de regarder dans quelle situation tu as eu les plus belles opportunités de ta vie. Dans quelle situation, je répète, tu as eu les plus belles opportunités de ta vie. Est-ce que c'était pas dans des moments les plus improbables? Tu étais en vacances, tu étais sous la douche, tu étais en voiture. Est-ce que tu étais juste dehors en train de profiter de l'extérieur? Est-ce que c'est pas à des moments aussi clés que la vie de ton entreprise ou en tout cas ta vie perso ne s'est pas jouée? Voilà. Est-ce que quand tu as rencontré par exemple, je ne sais pas, ton compagnon ou ta compagne, tu ne l'as pas rencontré à un moment juste improbable ou en tout cas un moment où tu ne cherchais pas, on est d'accord? La plupart du temps, et ça c'est véridique, mais c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus, que vous puissiez comprendre que vous mettez une intention, donc là vous mettez l'intention de gagner 1000 euros à la fin du mois, et c'est une intention, et c'est normal, comme vous peut-être
cette vidéo ne s'adresse pas que aux entrepreneurs. Si demain vous mettez l'intention d'avoir des enfants, vous mettez cette intention, je veux des enfants. Maintenant, si tous les jours vous allez acheter un test de grossesse pour vérifier si vous êtes enceinte ou pas, faire oulala, attends, il faut que je calcule, il faut qu'on fasse ça. Est-ce que justement vous allez tomber enceinte ou est-ce qu'il va vous arriver les plus belles choses? Est-ce que vous allez rencontrer votre compagne si tous les jours, en checkant Tinder ou des applications ou en sortant dans la rue, ah, peut-être qu'elle, elle va m'intéresser? Non, on est bien d'accord. Et ça, c'est juste la base que si vous, là, vous cristallisez, vous voyez? Si vous tous les jours vous allez chercher un test de grossesse, si tous les jours vous checkez Tinder pour essayer de trouver la personne et à chaque fois vous dites j'espère que ce sera la personne, vous cristallisez et rien ne se passe. Voilà. Donc, et là vous vous dites mais oui, c'est ça qui se passe dans ma vie et je le sais, c'est ça qui se passe. Et donc du coup, vous tombez enceinte au moment où c'est juste improbable, vous n'y avez pas du tout pensé, voilà. Vous rencontrez quelqu'un à un endroit enfin, où vous étiez pas maquillé, pas lavé, rien du tout, enfin, bref, on se comprend. C'est là où, c'est à chaque fois des moments où vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise et ça c'est vraiment juste ultra important de le comprendre. Et moi, je l'ai compris en à chaque fois qu'il y a, il se passe des choses extraordinaires dans ma vie d'entrepreneur, je ne suis jamais à mon bureau. Jamais. Donc, j'ai un bureau atelier. À chaque fois qu'il se passe des choses pour mon entreprise, alors des choses juste top, je ne suis pas à mon bureau. Bon, il faut quand même y être, hein, on est d'accord, je vous dis pas de ne plus travailler parce que bah, du coup vous n'aurez plus rien à offrir, mais en tout cas de ne pas rester focus à dire oulala, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, et ça va arriver. Non, sortez, sortez à des moments donnés, vous allez voir qu'en sortant, mais mettez-vous sur le balcon, je sais pas, si vous n'avez pas envie de sortir, faites, enfin. Si vous pensez peut-être sortir une heure, juste une heure, si vous avez peur de sortir toute une journée, il n'y a pas besoin de sortir 10 heures, mais juste profitez aussi. Lâchez prise. Et attention, hein, quand vous sortez, dites pas, ne vous dites pas je vais sortir pour attirer à moi l'opportunité, hein, sinon ça ne marche pas, on est d'accord. Mais vraiment, lâchez prise. Vraiment, ça c'est un secret. Je le répète et je vais le répéter, je vais le répéter, mais vraiment, cette vidéo, regardez-la plusieurs fois pour vraiment qu'elle rentre en vous, que vous compreniez que, en fait, le seul secret que vous avez, c'est de lâcher prise. Donc, vous avez vos objectifs, vous mettez, ok, je veux atteindre 1000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ok, pour atteindre ces 1000 euros, je vais faire ça, ça, ça. Et ensuite, on lâche prise. On le lâche. On fait des choses qui nous font kiffer, on continue à travailler, on continue notre chemin, mais on lâche prise, d'accord? Si vous n'avez pas atteint les 1000 euros à la fin du mois, c'est pas grave non plus, d'accord? Des fois, il faut un petit peu de temps, un petit peu plus de temps, le temps que ça se mette en place. Mais lâchez prise, voilà, lâchez prise. Vous allez voir que les opportunités, tout va venir à vous naturellement si vous lâchez prise. Voilà, donc cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien compris. Surtout, partagez-la, mais cette vidéo, vous pouvez vraiment la partager à n'importe qui. Une femme là qui cherche à tomber enceinte, quelqu'un qui cherche un emploi, parce que ça marche si vous cherchez un emploi et que tous les jours, vous êtes sur les applis en cherchant, en envoyant, en disant « Oh là là, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je trouve, comment je vais faire ?» Vous cristallisez et du coup, vous ne trouverez pas à ce moment-là. Par contre, demain, vous allez continuer à envoyer vos CV, mais au bout d'une heure, vous allez dire « Bon, maintenant, je vais aller dehors prendre l'air et profiter de mon après-midi où il fait beau, où il pleut, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, vous allez au cinéma. » Il peut se passer des choses, on va décrisper, parce que comme vous l'avez cristallisé, vous le décristallisez, je ne sais pas si ça se dit bien comme ça, mais on va dire que oui. Vous décristallisez cette situation et les opportunités vont venir à vous. Voilà. Cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur, je suis juste ravie de l'avoir fait. Et je veux vraiment que vous puissiez la partager au plus grand nombre. Pour vraiment qu'ils puissent comprendre
le secret d'entrepreneur, mais aussi le secret de votre vie en fait. Le secret de votre vie. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse partager cette vidéo à votre entourage, à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.